Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va se faire un shoot qui n'est pas trop vieux, vous avez vu, 1993, qui s'appelle Sea Battler. Alors, les années 90, quand même, c'était les 30 glorieuses du chemin, on peut dire. Puisqu'il y avait quand même une foultitude de titres qui sortaient à droite et à gauche et puis qui essayaient de développer chacun leur gameplay. Alors, lequel nous réserve-t-il, celui-là? Apparemment, c'est un shoot qui se voit un petit peu de dessus à la commando, vu qu'on bouge vraiment comme on veut. Je sens qu'il va falloir que je m'habitue un petit peu à caler mon tir pour pouvoir flinguer correctement. Donc tir pulsé, tir appuyé, je maintiens la direction apparemment. Et une épée qui me permettra peut-être de faire du bullet cancel, va savoir Coco. Ouh là là. Donc déjà niveau fanservice, les aficionados accros à Gundam et compagnie vont être ravis. Il y a du gros robot qui vole de partout. Les fans de la partie plus shmup devraient être avis aussi apparemment, puisqu'il y a de la boulette de manière assez généreuse. Ouh, il fallait savoir que c'est un bonus ça mon gars. Et donc t'en fais quoi de ça? D'accord, c'est un méga canon. Je vous rappelle que quand on dit méga, il faut faire avec les doigts de chaque côté les petites oreilles de lapin, comme ça très bien faire ces expressions. Je suis perplexe. Je pense que je vais surtout me prendre une bonne dérouillée. Allons-y! Montons à bord de Blanche, mon gros méca. Bien, bien, bien. Je n'en puis plus, ce suspense est insoutenable. Envoyez la purée. Oh oui, c'est spécial quand même. Alors hop, et du coup, quand je veux virer dans un sens, c'est pas simple hein, le démarrage. C'est pas simple. Et puis c'est d'autant moins simple quand en face on vous met des gars qui ne veulent pas exploser au moindre impact, mais demandent bien 8 boulettes dans le coffre avant d'envisager de regagner le cimetière. Bon, pour l'instant ça va bien, mais je pense pas que ça dure. Je pense que je vais me faire saturer l'écran de saloperie d'ici très très peu de temps. Salut toi. Ah là 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 là. Ouh là là, mais il est pas simple. Hein. Oh my god. Donc faut changer de direction régulièrement. C'est assez spécial. Ah, je vais avoir un problème, je sens. C'est pas très très maniable hein, pour les histoires de changement de direction. Pas cet enfer. L'enfer de la boulette qui pue. Tiens, tiens, goûte de mon sabre, sale créature, à préparation au stand. Salut. C'est particulier la prise en main quand même. Je vous recommande d'essayer vous-même pour mieux vous faire une idée. Mais voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, il faut passer au milieu de tout ça. Bordel de petits pois. Mais lâchez-moi les gars. Lâchez-moi! On n'est pas amis! Non, 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 jamais de la vie! Et même en forçant, on ne sera jamais amis. Donc ma charge se remonte en bas, mais quel est l'intérêt de patienter? Salut, on va t'apprendre à viser. Aïe, aïe, aïe! Mais faut pas vous fâcher comme ça, monsieur! T'es un peu près de moi, toi. Hein. Alors, je comprends que l'amour est une chose intense et vive, mais si tu prenais un peu des distances. Parce que le mode stalking, c'est pas trop mon trip, bonhomme. Je sens que mon vaisseau ne va pas tarder, mon méca ne va pas tarder à clapoter. Que je ne joue pas particulièrement bien, vous l'aurez remarqué.
Là, je suis plutôt en mode bourrinos. Salut, tu veux bien crever? Ah non, toi, ah mais sa barre de vie, elle descend de 3 pixels à chaque fois. Est-ce qu'il me remet au début cette suspense insoutenable que nous allons vérifier? Oui, je te remets au début. Hey man! Là, on sait qu'on a un bon jeu parce que les gars ont tout de suite compris ce qu'il fallait faire pour que les mômes remettent de la monnaie le plus rapidement possible dans leur cochonnerie de jeu. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en arcade un bouffe-pièce, de manière cohérente. Ça vient que je tire derrière au lieu de me prendre des pruneaux. Bon, je vais laisser tomber parce que je suis pas dedans. Puis ce mode de jeu ne me convient vraiment pas. C'est vraiment un truc de bâtard. Et je vais me reprendre. Lui, il devient pas beau. Ouais, c'est reparti. On va essayer de le passer pour le fun, mais j'ai pas le groove là. Monsieur, monsieur, crève. Regarde ta jauge, elle descend à 2 à l'heure. Avec la mienne, elle descend à fond la caisse. Est-ce que c'est normal? Je pose la question. Moi aussi, j'ai mes pépillades. Mais comment je lui ai pourri sa gueule? C'est de toute beauté. Bon, c'est un peu fouillis comme shoot, hein, quand même. On va avancer un petit peu jusqu'à la prochaine mort, mais je ne m'aventurerai guère plus loin dans cette exploration intersidérale. Oh, est-ce que c'est un incontournable? Certainement pas. Est-ce que c'est un jeu potable? Ben, sauf erreur de ma part, oui. Il est tout à fait potable, bien que son gameplay, ayant voulu chercher l'originalité, soit un petit peu tordu par moment. Est-ce qu'il mérite d'être dans votre collection? Mais tout à fait. Tout à fait. Il y a un intérêt indéniable. Et je pense que les gens qui maîtrisent un minimum les subtilités de cette orientation de tir en permanence qu'on doit ajuster doivent s'éclater un minimum. Plaf. Allez, je vais faire l'autre côté. C'est comme quand on se rase. Hein? Plaf. Je ne vais pas passer à gauche. Que je finisse de t'allumer. Je pourrais pas avoir un vrai bonus, moi. Madame. Ah, bah voilà. C'est vraiment particulier. Voilà. Ce bordel. Pas très évident quand même cette histoire de tir à orienter. J'avoue qu'il y a des moments où je panique un poil. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'allume sur le côté gauche d'ailleurs à ce point? Aïe. Ok. On est sur la partie du boss. Ouh, regardez-moi ces vilaines pinces. Au moins, on peut pas lui enlever d'avoir fait les efforts. Je me suis fait attraper. On peut pas lui enlever d'avoir fait des efforts d'originalité sur toutes les parties de gameplay qui le composent. Sur ça, il est vraiment très créatif, c'est marrant. Ouh, comment je me suis pris la pince dans la tête. Lâche-moi cette bestiole du cosmos. Cette manie de coller aux fesses qu'ont les boss des fois, c'est assez pénible. Là. Moi, tu viens crever, bestiole. Allez, stop. Ça, c'est totalement pas fair play, quoi. Se faire choper d'un truc qui est venu hors de l'écran, qu'on n'a pas pu voir venir, c'est un peu dégueulasse, quand même. Non, lâche-moi. Mais lâche-moi. Ouh, qu'il est bien. Je vais pas tarder à clapoter, là, je suis vraiment dedans, jusqu'au cou. Ouais, qu'il crève, lui, ce serait sympa. Crève-toi! Hop, un coup dans le zig, un coup dans le zag, un coup dans le zig, un coup dans le zag! Ah! Et ce fut la fin, dans d'atroces douleurs.
Eh bien non, on ne continuera pas. Ah, très très dur d'avoir une opinion sur ce genre de jeu, puisqu'en fait, oui, il y a plein de choses super intéressantes, mais il y en a même trop à la limite qui sont amenées d'un seul coup. Alors pour le principe, je vais le mettre dans les must-have. C'est pas que je sois particulièrement bien luné ce matin. C'est que c'est toujours intéressant d'avoir des jeux qui vous permettent de renouveler un petit peu le gameplay. Donc ceci Battler, il est validé. Je vous conseille de d'y jeter un œil. Pardon. De vous y aventurer un petit peu, d'essayer de maîtriser le bestiau, c'est pas très très compliqué, mais ça demande quand même quelques petites subtilités que vous avez vues, je ne sais pas vraiment. Et peut-être que ça correspondra à votre style de gameplay à vous. Si Battler, c'est validé, on se retrouve pour un prochain stream qui, cette fois, je peux le dire, ne parlera absolument pas des antennes relais. Ciao! Tu 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 t